Les amis, c'est scandaleux ce que j'ai reçu. J'ai reçu un truc dans un état, les gars. Oh le bordel, oh les bâtards, oh les bâtards. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va tout simplement faire un unboxing de clavier. Mais là les gars, j'ai commandé sur Amazon un colis qui est vraiment arrivé dans un sale état. Vous allez voir pourquoi. Alors tout simplement ça part de ce colis, voilà. Donc encore une fois c'est du plastique alors que normalement Amazon ne fait pas de plastique. Ils envoient plutôt dans des boîtes comme celle-ci. Voilà, comme j'ai déjà montré dans une vidéo pour ceux qui s'en rappellent, une boîte assez basique avec un petit logo Amazon et du carton tout simplement pour que ce soit un petit peu plus écolo je pense. Bref, et regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça, mes parents ont vaguement ouvert pour voir ce que c'était, et c'est dans un sale état. Bref, on va faire comme si c'était pas ouvert. On va faire un unboxing avec ce couteau. Alors voilà les amis, avant que ça commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça prend quelques secondes et ça me fait super plaisir, ça fait avancer la chaîne à une vitesse folle. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas. Prenez deux secondes pour regarder si vous n'êtes pas déjà abonné. Et si c'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Au passage, code créateur GX le slime, n'hésitez vraiment pas à le mettre à fond. Voilà, franchement si vous avez Fortnite de lancer, faites-le maintenant et mettez le code dans la boutique d'objets GX le slime. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Bref, on va regarder ce clavier, on va passer en vision unboxing, ça va être beaucoup mieux. Et puis on va tout simplement faire un constat s'il y a des dégâts. Et puis on va même voir présenter un petit peu le clavier, comment il est. Je tiens à dire que c'est un clavier que j'ai payé de ma poche. Donc voilà, c'est aucune vidéo sponsorisée, c'est vraiment moi qui l'ai payé. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, bien on se retrouve en unboxing, en vision unboxing je veux dire, avec une petite cam et tout simplement bah ma main. On va prendre tout simplement le couteau, on va ouvrir comme s'il n'y avait pas eu le trou. C'est parti. Hop, voilà. Je sais à peu près à quoi ressemble le clavier, mais il est vraiment dans un sale état. C'est même pas pour rire. C'est vraiment, il est dans un sale état. C'est dingue. Ok, on ouvre tout ça. Voilà, on a déjà un petit aperçu de ce qu'on va avoir. Hop là, on va le sortir. Voilà. Et ah oui, ah oui, les gars. C'est vraiment pas une blague là, pour le coup c'est vraiment pas une blague. Regardez bien la boîte, comment elle est vraiment mal foutue. Voilà, il est dans un sale état, fracturé ici, enfin fracturé, le carton est fracturé ici. On dirait qu'il s'est pris deux gros coups ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a tout simplement? Bah on dirait qu'il est un petit peu tordu quand même, hein. Franchement on va pas se le cacher, il est un peu tordu. Donc voilà, heureusement que je l'ai pas payé cher. Et j'ai regardé sur Amazon, j'ai essayé de trouver les claviers les moins chers etc. On va voir un petit peu ce que ça vaut réellement les produits pas chers sur Amazon. On va dire que c'est l'Amazon un peu sombre. On l'ouvre et on va regarder tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà le packaging, on va faire un petit tour. Il y a des lettres chinoises un peu partout. Mais sinon on peut voir qu'il y a deux claviers différents. Donc je sais pas lequel j'ai commandé, c'est bizarre. Je me rappelle pas avoir commandé un clavier comme ça. Sincèrement, je vérifierai et je vous dirai si vraiment j'ai commandé ça. Mais bref, assez simple le packaging. Et là ils nous disent comme quoi compatible avec Windows XP. Donc attention, XP quand même, Windows 7 ça date quand même, et Mac ok. Mais ce qui me fait peur c'est qu'ils me disent, enfin ils me précisent que c'est compatible avec XP et Windows 7 en sachant que ce sont des vieilles versions. Bref, après moi je trouve pas foufou le packaging, même si ça va, la boîte elle est un petit peu plastifiée. À part ça, le vert et blanc c'est, voilà, c'est spécial quand même, faut aimer. Après chacun ses goûts, ça se discute pas, mais voilà quoi, je veux dire au bout d'un moment Oh le bordel, oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh merde. Oh les chiens de merde. What the fuck. Les gars, dans l'état, dans l'état que c'est, c'est cassé. Et moi je me suis fait douiller. Franchement j'ai demandé un remboursement parce que là no fake hein. J'ai payé ça avec mes thunes. Je veux au moins recevoir un produit pour faire une vidéo. Et là mon gars le clavier est tordu. C'était pas une légende les amis, c'est vraiment vrai. Il est bien tordu. Il est... Les gars, comment je fais une vidéo moi? Franchement, je mets du cœur et tout, de l'argent à moi pour faire une vidéo. Je commande un produit et là je reçois quoi? Je reçois un clavier qui est tordu mon gars, mais genre c'est insane, vraiment. La souris a l'air d'aller. Oh misère. Misère, comment je vais faire? Oh putain, oh merde. Oh par contre là, pour le coup les gars. Oh merde. La touche est déjà cassée. Mais attendez. Attends, mais il s'en branle royalement, désolé de l'expression, mais il s'en fout, regardez moi. Waouh, c'est chaud sa mère, vraiment. Là les gars, c'est chaud, réellement c'est tordu et c'est cassé. Encore ce serait tordu, voilà, mais aussi ce que vous avez pas vu c'est les fractures. Ah putain, oh merde. De toute façon je vais me le faire rembourser, donc au pire des cas je m'en fous. Et puis voilà, par contre regardez, le clavier. Voilà, il y a réellement un problème. Il y a réellement un problème les amis. C'est pas une légende, c'est pas une légende, c'est bien vrai. Il manque des petites touches, enfin il y a une touche qui est cassée, deux touches qui sont fracturées. Et c'est plié et c'est cassé en dessous. Bon, on va le brancher, mais j'ai bien peur de ce qui va se passer en fait. Ah ouais, là c'est quand même chaud. C'est quand même chaud, je vais brancher ça. Et on va voir ce qui se passe.
Mais ça me casse vraiment les couilles quand même que je ne puisse à peine faire une vidéo dessus. Ça va être vraiment chiant, il est pas stable. Waouh, c'est franchement les gars, c'est insane hein. C'est pour ça, faites gaffe quand vous commandez. Honnêtement, pour tout ce qui est clavier souris, je vous conseille sincèrement d'investir un petit peu plus cher, histoire que ça tienne un peu plus dans le temps et pour pas avoir de surprises comme ça. C'est vraiment le mieux à faire, je pense. Ça fonctionne, mais attendez. Là déjà, ça fonctionne ça, mais regardez bien. On va regarder ce qui fonctionne. Alors, du coup, c'est en QWERTY, mais c'est marqué en QWERTY, donc voilà. Hop, hop. Tout a l'air de fonctionner, mais il faut juste enlever cette touche là qui est cassée. Bon, dans l'état par contre, les gars, c'est vraiment chaud quand même, dans l'état que j'ai reçu. Ok. Ok. Ah oui, je m'en rappelle. Mais j'ai commandé... Mais les gars, c'est pas du tout ça que j'ai commandé. Moi, j'ai commandé un truc qui était beaucoup mieux. En plus, il est même pas rétroéclairé. Eh, hey, mais c'est de la couille. What the fuck. Attends, et y a marqué quoi Bougez pas. Là, pour moi, sincèrement, ça, c'est rétroéclairé, les gars. Je suis désolé, pour moi, c'est rétroéclairé, ça. On met pas du rainbow comme ça, alors que c'est pas rétroéclairé. Là, pour le coup, les gars, c'est vraiment de la couille. Hein. T'es prêt? Ouais. Regarde, déjà, l'état de la boîte. Oh, la gueule. Oh, la gueule. Attends, regarde bien. Là, y a un truc, là, tu vois. Y a un truc, on dirait qu'il y a 5 tonnes 6 qui sont tombés dessus. Et regarde bien. T'es prêt? Attends que ça fasse la mise au point. Je sais pas si tu vois bien. Il est plié, mec, non? Oh. Et gros, regarde, t'es malin. T'es malin, gros, il y a des fissures de partout. Ah là, tu le vois pas bien, gros, mais attends, regarde, là. Là, tu le vois ou pas, là? Mais oui, je vois. Attends, mais tu l'as plié, ton clavier? Oui, et pour moi, tu sais, je me suis dit, vas-y, les RGB, ça peut être drôle pour la vidéo. Et il est même pas RGB, alors que, regarde, il est même pas RGB, là, tu vois bien, il est même pas RGB, alors que, normalement, il est RGB, là. Oh, mec, oh, je vais faire une découverte. Regarde la souris. Un sandwich. Mec, c'est un panini le truc. Et tu l'as payé combien? C'est pas une question qu'il faut poser, de toute façon je vais me faire rembourser là. 14 balles en plus. Je vais me faire rembourser en vrai, gros hein. Le clavier c'est une courbe, mon gars. C'est le bitcoin, mon gars, je te jure. Et bien ouais les mecs, donc on va tester tout simplement le clavier. Donc vous avez vu que bah il est quand même tordu, ça se voit visuellement. C'est pas beau, la touche shift ne fonctionne pas. Du coup bah on est bien dans la merde pour commencer à jouer. Donc premier bullfight. Aïe aïe aïe, 2, aïe, bouge-toi là. Allez, j'ai envie de boire un original en plus. Mais toi t'as un problème avec l'original, à chaque fois t'en bois. Une petite bouteille là, hop là, moins 200, ça dégueule. Suivant. Ok, bah deuxième bullfight. Mec, c'était quoi ça? Vas-y, 3, 2, 1, go. Commande suivante. Commande suivante, ok. Le mec, il best-off. Mec, attends. Arrête, arrête, non, non, non. Arrête. Arrête, je peux pas courir. Arrête. Aïe. Oh. Ah putain, je suis content, hein. Une bonne nouvelle dans la journée là. Troisième bullfight, les mecs. 3, 2, 1, go. Je commence avec beaucoup moins de PV. Arrête. Ah vas-y, non, tu déconnes là-bas. J'ai 16 HP, gros. Allez, allez, quatrième bullfight. 3, 2, 1, let's go. Allez, ça dégage. Pardon. Pardon, monsieur. Ah, ah, 200 QI. J'ai oublié un mot dans la phrase. Un hein. Gros derp, best lady. Un gros derp, Tariq. Mais non, attends, refais, j'allais chanter. Ouh, putain, vite, vite. Mec, marrant, je te le repaye pas. Hein. Avec la monétisation que j'ai en ce moment, gros, je pourrais jamais te repayer. Non, mais j'ai déconné là par contre, attends. Allez. Sa mère est respectable. Allez. 2 kills. Au prochain. Au prochain. Attends, j'arrive. Allez, t'es nul. Dégage, mon vieux. C'est qui le papa? T'as besoin d'aide ou quoi? Bah, ouais, un petit peu là. J'arrive, Coco. Ok, franchement, 3 kills.
Mais c'est pas une raison pour rester, pour acheter ce clavier. Ouf, mais je suis un monstre. Mais moi aussi, vous voulez. Je vais mourir, GX. Help, motherfucker. Bah, viens avec moi, t'as déjà plus de vie que help, moi. Help, motherfucker. Aïe. Bon, allez, c'est bon, il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour que je puisse faire une vidéo là. Allez, c'est bon, bisous à tous, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, GX le slime, et puis voilà. Faites des dons, et puis bisous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mec, je voulais tout simplement te dire. Je vais tout simplement te dire un message. T'es vraiment un gros fils de pute. Voilà, c'est tout ce que t'es.